Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la dérivabilité d'une fonction en un point. La dérivabilité d'une fonction en un point. Alors, ce mot-là a l'air un petit peu compliqué. En fait, ce qu'on va faire, c'est simplement examiner quand est-ce qu'on peut définir le nombre dérivé en un point d'une fonction. Alors, pour ça, on va commencer par se rappeler un petit peu de ce que c'est que ce nombre dérivé en un point d'une fonction. Alors, il y a plusieurs façons de, de noter ce nombre dérivé et de le définir. Je vais utiliser cette notation-là, ici. Le nombre dérivé d'une fonction f au point x égale c, on le note comme ça, f' de c. Et on va le définir comme étant la limite, la limite quand x tend vers le nombre c, de la différence f de x moins f de c divisé par x moins c. Alors la première fois que tu as vu cette définition, tu as peut-être été un petit peu affolé, mais rappelle-toi qu'en fait, ce qu'on fait simplement ici, c'est calculer le taux de variation de la fonction f entre le point d'abscisse c et le point d'abscisse x, et on essaie de déterminer la valeur de ce taux de variation quand x se rapproche du nombre c. Donc on a vu ça dans d'autres vidéos, si ce n'est pas très clair, je t'engage à aller les revoir. En tout cas, une fonction f est dérivable en x égale c si on peut calculer cette limite-là et qu'elle a une valeur finie. Alors, dans cette vidéo, je vais te proposer plusieurs affirmations, plusieurs propositions qu'on ne va pas démontrer, on va juste les examiner d'une manière intuitive. Alors, la première proposition, c'est celle-ci. Elle dit que si f est une fonction dérivable, si f est dérivable en x, Égale c, alors f est continue et continue en x égale c. Donc si f est dérivable en un point, alors elle est continue en ce point-là. Alors l'inverse n'est pas vrai, on verra des exemples où une fonction est continue en un point, mais elle n'est pas dérivable en ce point. Et bon, on va examiner ça un peu plus tard. La deuxième affirmation que je veux te proposer, c'est celle-ci. Alors, je vais l'écrire dans une autre couleur. Si f n'est pas continu si en x égale c, alors f n'est pas dérivable non plus en ce point. N'est pas dérivable du coup en x. C. En fait, ces deux propositions-là sont contraposées l'une de l'autre, donc si on se convainc que l'une d'entre elles est vraie, eh bien, on saura que l'autre est vraie aussi. Comme on sait ce que c'est qu'une fonction continue, on va commencer par travailler avec la deuxième proposition. Alors, on va examiner quelques cas de fonctions qui ne sont pas continues en un point. On va commencer par un exemple comme celui-ci, tu vois, on a une discontinuité de première espèce. C'est comme ça qu'on avait appelé ce type de discontinuité. Ici, quand x est plus petit que la valeur c, on s'approche comme cela. Et puis on arrive à la valeur à l'image de c ici et quand on la dépasse, on a un saut et on se retrouve sur cette branche qui est ici et on continue pour tracer le graphe de la fonction. Donc c'est une discontinuité de première espèce qu'on a déjà examinée dans d'autres vidéos. Et maintenant, on va essayer de voir pourquoi, dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable en x égale c. Bon, pour réfléchir à ça, on va, effectivement, il faut examiner cette limite-là. Et donc, en particulier, il faut examiner les limites à gauche et à droite, euh, et voir si elles coïncident. Déjà, ça sera une chose. Et puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est que cette expression-là, en fait, c'est le taux de variation de la fonction entre x et c. Donc en fait, c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par le point d'abscisse X et le point d'abscisse C. Alors on peut faire un petit dessin. Tu vois que si ici, je vais mettre le point d'abscisse X, un point d'abscisse X, ici c'est le point de coordonnée X, F de X. Voilà. Et puis ici, ce point-là, c'est le point de coordonnée C, F de C. Et donc quand je calcule le taux de variation de f entre ces deux points-là, donc cette expression qui est ici, ce quotient, eh bien ce que je fais c'est calculer la pente de cette droite-là qui passe par ces deux points-là. Et donc la pente de cette droite-là, eh c'est 0, hein, c'est une droite horizontale, a priori, si on regarde ce graphique. Donc la pente est nulle, et maintenant puisqu'on s'occupe d'une limite, alors ici je vais, je vais m'occuper de la limite à gauche en C, hein, puisque je suis dans la, la partie pour les x inférieurs à C, donc c'est la limite à gauche, et eh bien je vais, faire, je vais rapprocher le nombre x de la valeur C, alors par exemple je peux du coup m'occuper de ce point là, et dans ce cas là je vais calculer la pente de cette droite là, qui est aussi une droite horizontale, donc avec une pente nulle encore une fois. Je peux me rapprocher encore et par exemple prendre un x, enfin un point ici d'abscisse x là. Et tu vois que là, si je calcule le taux de variation entre ces deux points-là, eh je vais encore trouver 0, puisque j'ai encore une droite horizontale ici. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que la limite en C par la gauche, la limite quand x tend vers c moins de notre taux de variation, eh c'est 0. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe quand x tend vers. C'est plus, donc quand on est de ce côté-là. Alors on fait exactement la même chose, hein. si on prend une valeur x de ce côté-là, cette fois-ci, donc on a ce point-là, et du coup ça c'est le point de coordonnée x, f de x. Et donc le nombre que je dois calculer, le taux de variation entre ces deux valeurs, et eh bien ça correspond à la pente de cette droite-là, qui est donc une pente négative. Hein. Et puis si x euh, se rapproche encore de C, eh bien par exemple, si je prends x par exemple ici, donc on aura ce point-là et dans ce cas-là, on devra calculer la pente de cette droite-là qui est aussi négative mais qui est encore diminuée. En fait là, on a, on, la pente est encore plus faible. Hein. Et puis si je continue comme ça, tu vois que si je prends ce point-là par exemple, le taux de variation qu'on devra calculer ça sera, la pente de cette droite-là qui a diminué encore une fois. Et tu imagines bien que si je m'approche encore de C, en fait, à la limite, ce que je vais avoir, c'est une pente qui sera née infiniment petite. Hein. En fait, cette limite-là va tendre vers moins l'infini. Hein. Donc, tu vois ce qui se passe. D'un côté, la limite quand x tend vers c moins est égale à 0, alors que la limite quand x tend vers c plus du même taux de variation, eh bien, c'est moins l'infini. donc les limites à gauche et à droite ne coïncident pas dans ce cas-là, et du coup, on ne peut pas parler de la limite quand x tend vers c de ce taux de variation, ce qui veut dire qu'on ne peut pas calculer f' de c. Donc ça, ça veut bien dire que cette fonction-là n'est pas, pas dérivable en x égale c. Donc voilà un exemple qui illustre bien cette proposition-là. Si f n'est pas continu en x égale c, c'était le cas ici, alors f n'est pas dérivable en x égale c. J'ai dit x égale c et puis j'ai écrit x égale 0. Donc voilà, c'est ça. Alors on va regarder un autre exemple avec un autre type de discontinuité qui est celui-là, discontinuité qu'on avait appelée amovible. Et on va faire exactement la même chose. On va examiner le taux de variation. Donc on va prendre par exemple un point ici, là, le point de coordonnée x, f de x ici. Alors ça, c'est le point de coordonnée c, f de c. Et donc si je veux exprimer le taux de variation de cette fonction-là, eh ce que je dois faire, c'est calculer la pente de cette droite-là, la, la droite qui passe. Comme ça attention hein, ça c'est bien le point de coordonnées cf de c hein, c'est pas ce point là puisqu'on a une discontinuité ici amovible hein, dans cette fonction là en x égale c et maintenant si tu imagines comme tout à l'heure approcher euh, la valeur x de la valeur c par la gauche donc par exemple si tu te places ici et eh bien ce taux de variation là ça sera la pente de cette droite là si tu t'approches encore par exemple ici tu vas avoir la pente de cette droite-là, et tu vois bien que là aussi, si tu continues à t'approcher, en fait, cette limite-là, donc la limite quand x tend vers c par la gauche, eh bien, elle va être égale à moins l'infini. Alors, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers c par la droite Eh bien, on peut regarder ça. Je vais prendre par exemple ici ce point-là de coordonnées x, f de x. Et donc dans ce cas-là, le taux de variation qui est là correspond à la pente de cette droite-là, et tu vois qui est assez élevé. Et quand x tend vers c donc comme ça en venant de la droite, voilà, je peux faire un dessin. X par exemple ici un petit peu plus proche de c, et eh bien ce taux de variation c'est la pente de cette droite-là. Si je m'approche encore, et eh bien je vais avoir la pente de cette droite là et tu vois que ici ce sont des pentes qui sont toujours croissantes mais de plus en plus élevées ce qui veut dire que la limite quand x tend vers c par la droite de ce taux de variation donc la limite quand x tend vers c plus et eh bien c'est plus l'infini donc ici on a une limite à droite qui est égale à moins l'infini une limite à gauche qui est égale à plus l'infini donc on ne peut pas parler de la limite quand x tend vers c hein, puisque à droite et à gauche on n'obtient pas les mêmes limites ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler du nombre dérivé f' de c. Donc ici, la fonction n'est pas dérivable non plus en x égale c. Voilà. Bon, je te rappelle que je ne suis pas du tout en train de te faire une démonstration de ces propositions. Hein. Les démonstrations, tu pourras les, les voir ailleurs sur la Cannes Academy, dans d'autres vidéos. Ici, on est juste en train de s'approprier ces propositions-là de manière intuitive. Mais si tu veux, tu peux essayer, toi, de construire une fonction qui n'est pas continue en un point, mais qui est quand même dérivable en ce point. Et tu verras que c'est vraiment très difficile à trouver. Alors, il y a une question que tu te poses peut-être, c'est est-ce euh, qu'on peut essayer de regarder si une fonction est dérivable dans un point où la fonction n'est pas définie Alors, regarde la définition de la dérive, du nombre dérivé qu'on a donné ici. Si la fonction f n'est pas définie en x égale c, et bien en fait cette expression-là, ce nombre-là, n'a pas de sens. Et donc de toute façon, le nombre f' de c qui est défini de cette manière-là, ne peut pas avoir de sens non plus. Donc effectivement, la fonction ne peut pas être dérivable en un point où elle n'est pas définie. Alors pour terminer, il y a quand même une question qui reste vraiment en suspens et qui est importante, c'est est-ce qu'une fonction continue en un point est forcément dérivable en ce point-là alors en fait ce qu'on va voir c'est qu'il y a une infinité de fonctions qui sont définies et continues en un point donné mais pas dérivables en ce point là. Alors je te propose un exemple qui est celui-ci. Voilà c'est un graphique qui pourrait tout à fait être celui d'une fonction valeur absolue. Hein. Bon c'est pas forcément ça mais ça pourrait être la courbe d'équation y égale valeur absolue de x moins c par exemple. Alors, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Rappelle-toi, ce qu'on fait, c'est calculer le taux de variation entre deux points, dont l'un est C. Et ce taux de variation, eh c'est la, la pente d'une droite qui passe entre, entre les deux points. Donc, je vais regarder ici, on va se mettre là, par exemple, on va prendre ce point-là de coordonnées x, f de x, comme d'habitude. Ici, c'est le point de coordonnées c, f de c. Hein. CF de C. Et donc le taux de variation ici entre ces deux points-là, eh c'est la pente de cette droite-là. Donc ici, la pente, ça sera moins 1. Si j'approche la valeur x de la valeur c en venant comme ça de la gauche, par exemple, je peux me mettre là, eh bien je vais avoir C. Alors je vais prendre une autre couleur parce que sinon on n'y comprend plus rien. Je vais avoir la pente de cette droite-là qui est toujours la même, hein, égale à moins 1 aussi. Et puis si je m'approche encore, je vais avoir la pente de cette droite-là, ici entre ces deux points, qui est encore une fois égale à moins 1. Donc la limite, quand x est vers c moins, de ce taux de variation, eh c'est moins 1. Par contre, si je prends une valeur x de l'autre côté, donc supérieure à c, et eh bien par exemple celle-là, donc ça c'est une valeur, un point de coordonnée x, f de x, pardon. Et donc ce taux de variation dans ce cas-là. Eh bien, ça sera la pente de cette droite-là. Et d'après l'expression qu'on a trouvée ici, en fait, c'est 1. Et puis, si j'approche x de la valeur c en venant comme ça par la droite, donc par exemple, si je me mets ici, eh bien, je vais devoir calculer la pente de cette droite-là, qui est la même droite, donc qui a la même pente, toujours égale à 1. Et puis, si je m'approche encore, je vais me mettre ici, je vais avoir la pente de cette droite-là. Le taux de variation sera la pente de cette droite-là, qui est encore une fois égale à 1. Et tu vois qu'à la limite ici, eh j'aurai toujours la même pente. Hein. Donc la limite quand x tend vers c plus de ce taux de variation, eh bien, elle sera égale à 1. Donc la limite à droite est égale à moins 1. La limite à gauche est égale à 1. Donc la limite quand x tend vers c n'existe pas. Et du coup, celle-là n'est pas dérivable en x égale c non plus. Et pourtant, elle est continue en x égale c. Alors, je peux faire une dernière remarque avant de terminer. Je vais enlever ça pour faire un petit peu de place. Voilà. Euh, Rappelle-toi que le nombre dérivé en un point, on avait interprété ça comme étant le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point-là. En fait, ici, il y a une quantité, une infinité de manières de tracer une tangente. C'est très difficile de s'accorder sur ce qu'est la tangente à cette courbe-là, au point d'abscisse x égale c. Certaines personnes pourraient dire que c'est l'axe des abscisses, puisqu'effectivement, ici, on a une droite qui touche la courbe sans la couper. On pourrait penser que c'est, pourquoi pas, cette droite-là, c'est très possible aussi, ou alors cette droite-là, ou alors cette droite-là, hein, le prolongement de la courbe elle-même. Enfin, tu vois que, intuitivement, on comprend bien que... L'existence de la tangente en ce point-là n'est pas bien définie. On ne sait pas quelle est la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale c dans ce cas-là. Donc c'est aussi une raison pour dire qu'on ne peut pas calculer le nombre dérivé en ce point-là et que donc la fonction n'est pas dérivable en ce point-là.